Vous citez Elsa Triolet et vous dites « Il n'y a pas de suicide, il n'y a que des meurtres ». Oui. La citation est forte. Et ma question, c'est pour vous, s'il n'y a pas de suicide, il n'y a que des meurtres, qui a tué votre mari ? Le système agricole français. Parce qu'il les pousse au suicide. Vous vous rendez compte, il y a un, voire deux agriculteurs qui se suicident tous les jours. Tous les jours. Mais est-ce que ce et on ne dit rien. À vous lire, et à... ce qui est le plus émouvant, c'est que Augustin, votre mari, en fait, tout au long de ce calvaire, c'est un vrai calvaire, ils pensent que c'est de sa faute, en fait. Oui. C'est ça c'est qui la est terrible. Honte, en fait. C'est mais ils l'ont la tous. Honte, là, pourquoi la honte bah, parce qu'en plus, un agriculteur qui reprend une exploitation d'un étranger, je ne dis pas que c'est plus simple, mais il n'a pas ce poids familial. Oui. Là, ça vient du grand-père, ça vient du père. Il y a ce poids familial, cette honte. Pourquoi eux, ils ont réussi et moi, je n'y arrive pas. Or, ce n'est pas lui qui n'y arrive pas, c'est le système qui fait qu'on n'y arrive pas, le contexte a changé. Cette non-assistance à personne en danger au niveau des banques, au niveau des organismes, parce qu'il les tue au fur et à mesure. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, mais c'est vrai. Pourquoi on refuse de renégocier un prêt à ce taux-là alors que certains de nos collègues y ont le droit. Oui. Camille, vous faites quoi en fait ? Vous avez repris l'exploitation ? Alors j'ai arrêté l'élevage des porcs au bout de 4 mois. Donc j'ai assumé pendant 4 mois avec mon beau-frère. Et aujourd'hui, je m'installe l'année prochaine et je continue l'exploitation des terres. Vous y croyez encore ? J'y crois plus, mais c'est mon héritage. Il n'est pas parti pour rien. Il m'a laissé ça, il m'a transmis sa passion. Ce livre, c'est l'enfant qu'on a jamais eu. Et je ne peux pas laisser tout ça tomber. Donc si j'y arrive, c'est bien. Mais par contre, si j'y arrive pas, je saurais m'arrêter, puisque malheureusement, je sais la fin que ça a. Et je pense que ma famille et mes amis qui me regardent aujourd'hui n'ont pas très envie que je finisse au même endroit. Mais psychologiquement, vous êtes suivi parce que c'est important, l'aide psychologique, de se sentir soutenu et pas tomber dans cette spirale de la culpabilité et aller jusqu'au geste ultime. Je me suis parce senti que... coupable, forcément, dans oui, mais les là, premières aujourd'hui, secondes. Aujourd'hui, malheureusement, Augustin, il est parti. Vous ouais. avez 20, vous avez, je vais avoir 27 ans. Vous allez avoir 27 ans, mais vous avez votre vie devant vous. Donc, j'ai toute ma vie devant moi, forcément, et si ma laissé envie, il faut encore vous tenir à bout de bras aussi, quoi. C'est normal, ça va faire que 2 ans la semaine prochaine, c'est encore tout frais au fond. J'ai vu des images qu'une jeune femme de 24 ans ne voit pas. Il y a eu la première tentative de suicide qui a été aussi très difficile. Il avait essayé comment ? Il s'est pendu aussi et c'est moi qui l'ai décroché. Donc voilà, c'est dur, il y a des images qui reviennent au quotidien, mais je suis très bien entourée par ma famille, par mes amis. Je suis suivie aussi par un psychologue depuis janvier 2018. Quand je ne peux pas y aller, je l'appelle. Donc je ne suis pas toute seule. Après, j'arrive à garder quand même les deux pieds sur terre. Et c'est pour ça, quand je dis que si je sens que ça n'ira pas, j'arrêterai, puisque la fin, mais on la connaît tous. Mais vous allez y arriver, Camille. J'ai envie d'y aller puisque j'ai ça dans le sang. Vous allez y arriver, vous verrez. Même si je viens de la ville, j'ai ça dans le sang et c'est ça ma vie. Et vous le transmettez, vous allez y arriver, je n'ai aucun doute. Merci.